Yo la famille, c'est l'homme, nouvelle caméra cachée mon gars. Bah, je t'ai menti aujourd'hui. Je sais que tu ne t'attendais pas à me revoir de si tôt. Mais regarde, il y avait trop de commentaires qui disaient: Ok, bon, ben c'est bien, bonne vidéo, l'homme, on se voit dans 6 mois. Regarde, ça fait 2 jours que j'ai filmé et je suis back. Et tu sais même pas qu'est-ce qui s'est passé avec moi en plus hier. Bon, j'ai passé la nuit au poste. J'ai dormi comme une pute dans le fret. Il faisait fucking froid. Et ils m'ont donné une vieille couverture qui puait la merde. La couverture, elle avait peut-être 6 ou 7 odeurs différentes. Genre, dans différents endroits que je sentais la couverture. Parce qu'ils m'ont donné une petite couverture que, comme, elle couvrait même pas mon corps au complet. Alors là, il fallait que je faisais mon mieux pour essayer de m'enrober au complet. Et en même temps, j'étais couché sur un genre de lit en métal. C'était pas le fun, bro. Bref, on va s'approcher du gym. Je vais prendre le temps de fumer parce que j'avais roulé mon petit. Hein? Oh shit, qu'il y en a. Il était déjà prêt. Je vais prendre le temps de fumer avant le gym, mais on n'est pas devant. So, on va aller en face du gym. On va fumer. Je vais continuer un peu mes petites histoires. Et après, bah, on va aller s'entraîner. Ça va être la vidéo du jour. Il est 3h, 2h du matin. Habituellement, je m'entraîne tôt le matin, mais lorsque je manque un entraînement le matin, ben, je le rattrape durant la nuit. Pour te mettre en contexte, la nuit dernière, je l'ai passé au poste de police. Contre mon gré, c'est pas ce que je voulais faire. Il y a la délégueuse qui casse les couilles, alors je vais juste fermer la fenêtre. Je pense que c'est mieux comme ça. Et la lumière. Ah, c'est bad avec la lumière fermée, ça fait un genre. J'avais besoin de faire une commission pour ma mère. Elle devait donner de quoi à sa soeur, ma tante, genre. Puis là, je suis allé. En allant, je suis allé voir mon cousin un peu. Après, je vais à la station d'essence avant de partir. Là, je suis sur l'autoroute, je rentre. Et puis, il y a une police derrière moi qui me colle le cul. Après, je comprends pas. Je me disais, pourquoi la police m'arrête dans l'autoroute? Qu'est-ce qu'ils ont avec moi? Je m'arrête. On est dans l'autoroute, mais je m'arrête sur le côté. Et puis, j'ouvre un peu ma porte parce que je vois que la police vient pas, genre. Là, j'ouvre la porte, j'entends, elle parle avec l'interphone, puis elle dit: Prends la sortie Concorde, prends la sortie Concorde. Là, je suis comme, hein, qu'est-ce qui se passe? Je prends la sortie Concorde parce que la police, elle me dit de prendre la sortie Concorde. Là, je m'arrête, puis elle me dit: Est-ce que c'est vous le propriétaire du véhicule? Je dis: Ouais, c'est moi, la mine Zidani, c'est moi, oui. Elle me dit: Ok, veuillez sortir du véhicule, vous êtes en mandat. Là, je suis comme quoi? Je dis ben non, c'est pas le moment, les gars. Je suis sorti de chez moi 20 minutes, je pensais que j'allais rentrer à la maison. Je suis pas sorti de chez moi pour passer ma nuit au poste. Et puis c'est ça qui s'est passé. J'ai arrêté de tout mettre en long, mais j'étais sous mandat, je sais pas pourquoi. Alors là, c'est ça. J'ai passé ma nuit au poste. J'étais tellement paresseux que. Je sais pas si tu peux voir. Oui, c'est ma jambe qui est en l'air. Okay? Ils m'ont enlevé mes lacets, je les ai même pas remis encore. Tellement que c'est récent, ça fait comme à peine. Bro, je suis parti à 1h de l'après-midi. Ça fait peut-être 12 heures à peine que j'avais pas envie de remettre mes lacets, bro. À cause de eux, j'ai manqué mon entraînement du matin. Alors, je fais pas cette vidéo pour me plaindre déjà. J'ai pas envie qu'on pense que ouais, je pleure, je m'en fous. À cause de ça, j'ai manqué mon entraînement du matin. Et j'ai même manqué des mints. NFT, Oh! Je suis dans les NFT. J'ai manqué des mints. J'ai envie de crier, bro. Sinon, aujourd'hui, on va faire chest, poitrine. Parce que ça fait 2 semaines que j'ai repris. Puis, j'ai pas vraiment un programme en tant que tel. Je suis juste en train de reprendre, tu comprends? Je mange même pas bien encore. J'ai de la misère à manger mes flocons d'avoine le matin. Et un truc que j'ai envie de prouver, c'est qu'on peut s'entraîner et prendre du poids tout en fumant. C'est dans la tête! Si t'es capable de te motiver pour manger comme il faut et tu manques pas de tes entraînements, je vois pas qu'est-ce qui t'empêche de prendre du poids malgré le fait que tu fumes. Après, si tu fumes comme un malade mental, c'est vrai que ça peut jouer contre toi. Comme dans mon cas, je fume beaucoup, je pense. Je pense que je fume beaucoup. Dun 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 dun.
On dirait que je suis high, puis j'essaie de compter le nombre de répétitions que je fais et je me perds à chaque fois. J'ai l'impression que j'ai plus de force et que j'ai plus de technique. Je suis bon qu'à fumer. En tout cas, c'est la fin du workout. Ça faisait vraiment chier, il y avait de la musique forte tout le long. Bon, il est comme 3h du matin, puis... Comme, ferme ta gueule, pour de vrai. Comme, je suis pas tout seul dans le gym. Alors, je peux pas aller dire aux gens, enlève la musique. Puis en même temps, c'est normal qu'il y ait de la musique dans le gym. Yo. J'avais pas de micro-cravate, j'avais juste le micro sur la caméra. Il faut que je m'approche pour parler, puis qu'on m'entende. Je sais pas, c'est de la merde. On va fumer à l'intérieur. Il aurait fallu que j'aille manger. C'était pas le meilleur de mes entraînements, ça c'est sûr et certain.
Mais en même temps, la nuit dernière, j'ai pas bien dormi, j'ai fait une sieste de quelques heures tout à l'heure, puis j'ai pas très très bien mangé non plus ces derniers temps. Ben tout ça ensemble, je pense que mon entraînement était pas si pire que ça. Puis là, j'ai rentré à la maison, je vais faire le montage de tout ça, et clic, je me sens en ligne, sans trop réfléchir, sans me laisser le temps de changer d'avis. C'est vraiment ça le truc pour de... Parce que en soi, sortir des vidéos, c'est pas si dur. C'est juste que, comme dans ma tête, je me convainc du contraire. Genre, je me dis, ah non, nanana, nanana. Mais du moment que j'ai réussi à mettre une vidéo en ligne, même si elle me plaît pas en particulier, genre, du moment que j'ai réussi à en mettre un en ligne, je suis capable d'enchaîner sur d'autres vidéos. C'est vraiment quand j'arrête pendant quelques mois, un mois, 2 mois, là, je commence à. Pas oublier. Absolument pas. Là, je commence à juste comme. Attendre le parfait moment qui arrivera jamais. C'est des trucs que je savais même avant de commencer YouTube, que le moment parfait il arrive pas, mais souvent je rentre dans le piège encore. Que ça fait 1000 fois que je fais la fin, puis je sais pas comment finir cette vidéo. Je sais pas comment. J'ai commencé la vidéo comme si on était ensemble, mais éventuellement il faut qu'on se quitte. Si t'aimes la vidéo, lâche un pouce bleu. J'espère que t'aimes ce genre de vidéo, parce que moi je les aime pas. Vraiment pas, je déteste ce genre de vidéo.